Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce qu'il y a la méchante Miss Delight qui traîne autour de chez moi. Elle traîne de partout et de partout dans la ville et je crois qu'elle est à la recherche de la vraie Miss Delight. Je crois qu'elle est là, elle est venue jusqu'à chez moi. Je vous le dis, c'est sûr, elle cherche après la vraie Miss Delight. Je crois que ça va chauffer. Et bah vous les gars, mettez tout de suite un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi je vais jusqu'à l'entrée et on va voir, let's go. Salut Rotten, je viens chez toi parce que je sais qu'il y a l'autre Miss Delight qui se cache chez toi dans ta maison. Quoi? Attends, calme-toi. Tu crois vraiment que je cache Miss Delight chez moi dans ma maison? Mais n'importe quoi, il n'y a pas de Miss Delight qui se cache chez moi. Non, il n'y a rien ici. Menteur, je sais que t'as fait des vidéos avec elle dernièrement. Je sais qu'elle est chez toi. Mais attends, c'est pas parce qu'elle fait des vidéos avec moi que ça veut dire qu'elle vit chez moi avec moi dans ma maison. Non, mais là franchement tu dis n'importe quoi. Menteur. Mais tu sais quoi, tu vas l'appeler, moi je vais partir et tu vas lui dire qu'on se retrouve à 3h du matin devant le parking de la salle de sport, ok? Quoi? Ok, je vais l'appeler, je lui dirai, d'accord. T'as intérêt, hein. Oui, je vais l'appeler. D'accord, allez, je m'en vais. Pas de chez moi, ouais, va-t'en, ouais, c'est ça. T'as pas intérêt à me mentir, hein? Vas-y. Wow. Oh mon dieu. Attends, je crois que là, elle est énervée, très énervée. Là, on a vraiment eu affaire à la méchante Miss Delight. Je pourrais même dire que c'est la jumelle démoniaque de Miss Delight. Je crois que ça va chauffer là. Elle lui donne carrément rendez-vous à l'heure de 3h du matin sur le parking de la salle de sport. Je crois qu'ils vont se battre. Écoutez-moi, maintenant je prends mon téléphone, je vais tout de suite appeler la bonne version de Miss Delight et je vais lui expliquer tout ce qui vient de se passer. Allez, let's go. Allez, ça y est, je suis prêt les gars. J'ai le téléphone, je suis prêt à composer le numéro de la Miss Delight. On va tout de suite l'appeler et on va tout de suite lui expliquer ce qui vient de se passer. Hop là, allez. Je crois que ça sonne les gars. Bon, franchement, je la plains. J'aimerais pas être à sa place. Quand t'es confronté à ton jumeau démoniaque, t'es foutu. Bon là c'est sa jumelle du coup. Allô, Miss Delight. Allô? Je t'appelle pour le coup parce que il y a ta jumelle démoniaque qui est venue jusque chez moi et elle est très très énervée, elle te cherche et je crois qu'elle veut te faire du mal. Oh non, pas elle, elle me pourrit la vie. Mais qu'est-ce qu'elle me veut au juste? Je sais pas, mais elle veut te voir, elle te propose un rendez-vous à l'heure de 3h du matin sur le parking de la salle de sport. Je crois que là ça va être chaud. Oh non. C'est pas possible, elle va encore me faire du mal. Oh là là. Ouf, pauvre Miss Delight. Oh, ok, Roptek, j'ai quand même peur. Mais je veux que tu sois là avec ton drone pour nous surveiller. Et puis comme ça, s'il se passe quoi que ce soit avec ton drone, tu pourras intervenir, ok? Oui, bah je serai là. Bah oh, d'accord, bah je viendrai avec mon drone, pas de soucis. Bon bah, à tout à l'heure. Oh mon dieu, les gars, la pauvre Miss Delight. Ah bah je te le dis que là, elle est confrontée à sa jumelle démoniaque. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Et en plus, pour que ça la rassure, elle veut du coup que je vienne avec mon drone jusqu'au parking de la salle de sport. Bah c'est ce qu'on va faire, on va s'équiper du drone les gars. Mais d'abord là, je vois sur mon téléphone, il est pas du tout encore l'heure de 3h du matin les gars. On va devoir attendre un petit peu. Et je crois qu'en attendant les gars, pourquoi pas se regarder l'épisode Poppy Playtime où la Miss Delight est confrontée à ses jumelles démoniaques. Ça va être très très intéressant, ça peut déjà nous donner une idée. Vas-y, let's go. Bon les gars, vous me connaissez, à chaque fois que je veux me regarder un film ou une série, je veux toujours quelque chose à manger. Là, on a des pommes. Oh non, j'aime pas les fruits. Les gars, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il nous reste là dans le paquet? Oh, les gars, je crois qu'il reste des sushis. Ok. Bon, les gars, je prends ça. Et ça va être sushi tranquille devant l'épisode de Miss Delight. Allez, let's go. Allez, là, on est bien. Ok, let's go. Regardez, ok, ça retrace déjà un petit peu toute l'histoire de la prof Miss Delight. Elle fait l'ouverture de la classe, jusque là vraiment tout va bien, les élèves sont adorables. Non mais ils lui font même des petits dessins, ils lui offrent des petites pommes. Mais, ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? La sonnette retentit, elle a l'air très très inquiète. Qu'est-ce qui se passe?
Oh là. Oh, quoi? C'est là que les problèmes commencent. C'est là que les sœurs jumelles de Miss Delight deviennent complètement démoniaques. Oh mon dieu, c'est la pagaille dans toute l'école. Elle essaye d'évacuer tous les élèves tant qu'il en est encore temps. Elles sont très très énervées. Oh, oh non. Ils cherchent après les enfants, ils veulent faire du mal aux élèves. Mais c'est abusé. Non. Attendez, mais c'est une blague. Oh. Non, lui faites pas de mal, lui faites pas de mal. Oh là. Non, c'est horrible, c'est horrible. Ah. Oh, quoi? Je crois qu'ils lui ont arraché le visage. Mais son... Oh non, ils l'ont complètement défiguré. C'est pas sérieux, quoi. Non. Oh, c'est horrible. Non, mais sérieux, quoi. Non, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Les gars, quand vous êtes confrontés à vos jumeaux démoniaques, franchement, c'est la pire des choses qui peut arriver, vraiment, vraiment. Non, mais ils l'ont carrément enfermée dans une prison. Oh, maintenant, elle est devenue moche. Regardez, elle est vraiment devenue moche, quoi. C'est dégoûtant. Mais regardez, regardez ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont la sortir de la prison? Non. Attendez, attendez, attendons de voir. Les gars, attention. Oh, ok. Oh! Elle va pas se laisser faire en tout cas. En tout cas, elle a raison. Elle a raison, elle va pas se laisser faire. Elle va pas se laisser marcher dessus. Je crois qu'elle veut littéralement éliminer toutes ses sœurs jumelles complètement diaboliques. Elle a raison, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'en débarrasser. Et là, elle est très 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 en colère. Oh, bah là, pour le coup, je crois qu'ils ont provoqué son extrême colère. Là, c'est sûr que même ses jumelles diaboliques, elles ne feront pas le poids. Attendez. Oh, oh c'est chaud. Oh mec, ça part carrément en cacahuète là, c'est vraiment abusé. Mais les gars, cet épisode c'est vraiment le plus terrifiant que qu'on a jamais pu voir. Vraiment, c'est une dinguerie là, ça ne s'arrête jamais. Oh non, là pour le coup ça se retourne contre elle. Oh non. Oh, 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 oh. Wow, elle a carrément fait une prise de catch. Sérieux. Enferme-la, enferme-la et tu seras tranquille. Je crois que c'est la dernière. C'est la dernière qui est restée. C'est vraiment la dernière jumelle démoniaque. Et si elle s'en débarrasse, elle est tranquille, non? Attendez. Oh, oh, mais en plus, elle va finir brûlée. Regardez, elle va cramer. Ben ça y est, on est tranquille, on en est débarrassé, non? Ben voilà, c'est ce qu'on voulait. Catnap. Wow. Attendez. Mais c'est ça, c'est le catnap. C'est la version démoniaque de catnap, ça. Attention, attention. Mais c'est quoi cet épisode de fou? Tiens, tiens, catnap propose un méga bout de viande à la professeure Miss Delight. Elle ne va pas refuser. Non, 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 elle va pas refuser, ça c'est sûr. En plus, Miss Delight, elle a très très faim. Bah ouais, forcément, elle a été confrontée à toutes ces jumelles diaboliques. Je pense que c'est normal qu'elle a faim maintenant, elle a besoin de manger. Oh, ça y est, cet épisode-là, je m'arrête là. Je m'arrête là, les gars. Mais c'est fou furieux, c'est fou furieux. En tout cas, là, l'heure va bientôt passer à l'heure de 3h du matin. Alors, ça va être le moment de s'équiper du drone, les gars. Et on va tout de suite voir ce qui va se passer. Ça y est, je vous le dis, je suis resté éveillé jusqu'à l'heure de 3h du matin. Je me suis équipé de mon drone, j'ai la télécommande, je suis prêt. Et là, je vais faire décoller le drone depuis ma chambre. Et les gars, faut savoir que la salle de sport, c'est juste à côté de chez moi, c'est même pas à 2 minutes. Donc les gars, on va surtout survoler le parking. C'est là où il se serait donné rendez-vous. Les gars, vous le voyez, c'est un grand parking. Ça veut dire qu'il va falloir garder les yeux bien grands ouverts, les gars, je vous le dis. Il va pas falloir rater ça. Et les gars, si vous vous apercevez de quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Parce que des fois, il se passe tellement de trucs que j'ai pas le temps de tout voir, les gars, je vous avoue, c'est fou. Déjà, attendez. Là, voilà, je suis devant la salle de sport. Je suis devant la salle de sport, les gars. On attend, j'attends comme ça, les gars. On attend de voir ce qui se passe. J'ai respecté le timing, on voit bien que l'heure vient tout juste de passer à 3h du matin. Et là, 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 les gars, là, elle est là. Elle est juste là, les gars. Je crois qu'elle vient de sortir de la salle de sport. Ouais, vraiment, elle vient de finir sa séance de sport, les gars. Elle a fini de pousser la fonte. Et les gars, mais attendez, maintenant, voyons voir s'il y a une de ces jumelles diaboliques qui apparaît là, comme ça, dans la vraie vie. C'est surtout ça qui peut être très, très intéressant. Attention, attention. Moi, je suis prêt, je suis posté, je suis avec le drone. Carrément, je vais m'approcher au plus près de Miss Delight. Déjà, on le remarque tout de suite, c'est la méchante Miss Delight. Ouais, ouais. Oui, c'est celle qui est venue à la maison tout à l'heure. Oui, 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 je la remarque tout de suite.
Je la remarque tout de suite, ça y est, bah ouais. Non, non, mais ça y est, attention, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche après quelque chose. Je pense qu'elle cherche après l'autre version de Miss Delight. C'est ça, c'est sûr et certain. Attendez, où elle va comme ça là, les gars? Elle traverse tout le parking, tranquille. Regardez tout au bout, les gars, je sais pas si vous le remarquez, mais je crois qu'il y a l'autre version de Miss Delight. Je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Non! Accrochez-vous bien, les gars, je crois que ça va chauffer. Waouh, ils sont en train de dialoguer entre eux. Tranquille, tranquille. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait bien se raconter, mais je crois que là, ça se dispute. Ça se dispute, ça s'engueule, ça s'insulte. Je pense que là, ça doit être chaud. Oh, hey, les catnaps? Catnap, les gars, il y a l'intervention du catnap. Catnap, que fait catnap? Je crois que Catnap essaye de les séparer. Ah, je crois qu'il essaye de les séparer. Je crois qu'il essaye d'éviter la catastrophe. Mais... Oh, je crois que ça va se battre. Oh, ça commence à se battre. Les gars, les gars, regardez. Oh, on a carrément la bagarre entre Miss Delight et sa sœur jumelle diabolique. Mais non, c'est pas possible. Mais Catnap essaye de les séparer, je sais pas, fait quelque chose. Oh, c'est ce qu'il fait. Wow. Ah oui, Catnap, il les a séparés. Ah ouais, voilà. Oula, attends. Wow. Alors le Catnap, il s'est fait dégager. Il s'est carrément fait dégager par les deux Miss Delight. Et il continue à se battre. Et du coup, ils en profitent pour continuer à se battre. Et non, bah là, le Catnap, il peut rien faire. Il aura essayé, mais il peut rien faire là. C'est chaud. Mais j'espère que Miss Delight va réussir à se débarrasser de sa sœur jumelle diabolique. Parce que là, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Elle doit clairement lui pourrir la vie. Attention, doucement, doucement. Ah, ouf. Oh, oh. Et non, c'est Miss Delight qui a gagné, je crois. Je crois que c'est Miss Delight qui a gagné. Je crois qu'elle a réussi à se débarrasser de sa sœur jumelle diabolique, non? Oh non, même pas. Attendez, regardez. Mais c'est la méchante Miss Delight, ça. Ça, les gars, c'est la méchante Miss Delight. Mais elle se réjouit d'avoir gagné le combat, je crois. Non, non, non. C'est pas possible. Voilà, elle en a pas fini. Je vous le dis, elle en est toujours pas débarrassée de sa jumelle diabolique. Et là, pour le coup, elle risque d'encore et encore et encore avoir plein plein de problèmes à cause de cette foutue jumelle diabolique. Non, oh purée, c'est chaud. Et attendez, quand j'y pense, les gars, ce serait aussi intéressant de savoir si Catnap aussi, lui, il a un jumeau diabolique ou pas. Bah, je pense que c'est possible. Bon, bah, je reprends la caméra en main dès que j'ai des nouvelles et dès que j'arrive à retrouver le jumeau diabolique de Catnap aussi. Mais attendez, du coup, les gars, pour essayer d'en savoir beaucoup plus au sujet du jumeau diabolique du Catnap, pourquoi pas se regarder la vidéo spéciale qui retrace toute l'histoire du Catnap, et on verra forcément le moment où il est confronté à son jumeau diabolique. Ça nous permettra d'en savoir plus et de comprendre un petit peu mieux la situation. Et tout juste après, bien évidemment, nous ferons décoller notre drone pour trouver le jumeau démoniaque du Catnap et voir tout ce qui se passe. Attendez, normalement, sous mon lit, j'ai encore quelques gâteaux où j'attends. Ah bah oui, bah voilà, j'ai encore du Twix. Bah les gars, on est bon, allez, let's go. Ah là, on est bien. Et regardez, j'ai même du Kinder Bueno. Ça, c'est mes préférés, franchement, Kinder Bueno, je valide. Mais bon, maintenant, essayons de comprendre la situation. Oh, oh non, pauvre Catnap, il vit un cauchemar. Oh non, alors c'est lui, c'est le fameux jumeau diabolique du Catnap. Il lui pourrit la vie, c'est horrible. Oh, il le torture avec des souris enragées. Oh, pauvre Catnap. Non, là c'est chaud. Oh, Dog Day, attention, fais attention. Fais attention. Oh, Dog Days est sous le choc. Forcément, les gars, attendez. Eh ouais, regardez, le premier réflexe, c'est d'aller prévenir tous les autres Smiley Critters. Mais... j'ai l'impression qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Ils rigolent, ils en rigolent de la situation. Je pense qu'ils ne croient pas du tout en l'existence d'un jumeau démoniaque de Catnap. Mais si, pour le coup, si, ça existe vraiment, c'est réel. Ah, voilà. Non, ils se font attaquer. Tous les Smiley Critters se font attaquer par le jumeau démoniaque du Catnap. Mais non. Non, c'est chaud. Oh non, c'est foutu. Ils n'ont pas du tout pris au sérieux la menace. Ah bah là, ils sont pris au dépourvu. C'est normal. Non. Ils vont tous y passer. C'est ça le pire. Regardez. Oh, ah bah regardez. Il y a Piggy Piggy, lui, de rien. Il vit sa meilleure vie. Alors qu'en fait, c'est la pagaille. Oh, Dog Days.
Ouais, ouais, vite, vite, vite. Il faut courir. Oh non. Non. Le jumeau démoniaque du cadenas profite de la situation. Oh non. Cours, 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 vite, vite, cours, 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 cours. Voilà, voilà. Non. Non, 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 non. Oh non. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Et après, il déploie son gaz qui t'endort instantanément. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Je crois que tous les smiley critters vont y passer. Ils sont tous foutus. Oh non. Mais les gars, le petit lapin vert des smiley critters, lui c'est foutu. C'est fini pour lui. Ça y est, c'est fini. Oh non, ils se sont fait trouver là, les deux. Les deux là, Kitchen Chicken et puis le Crafty Corn, eux, ils sont foutus. Quoi? Il a carrément le temps de mettre du sel, du poivre et il va les dévorer. Non. Oh, Dog Days. Voilà. Dog Days, il est courageux. Ah, c'est chaud. C'est chaud maintenant. Cours, 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 cours. Oh là 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 là. Mais franchement, Dog Days, il est prêt à tout pour sauver ses amis. Mais maintenant, attendez. Mais oui, bah ouais, c'est ça la solution. C'est ça la solution, c'est qu'en fait, il y a le catnap qui affronte directement son frère jumeau démoniaque. Oh, bah non, mais non, mais c'est vrai. Il est complètement attaché et ligoté, il peut rien faire. Et il se fait humilier par des souris. C'est la pire situation quand t'es un chat, je pense. Oh, bah voilà, c'est pas compliqué. Allez, voilà, les petites souris, ça dégage. Et toi, bah toi, tu vas servir à quelque chose. Ouais, ouais, voilà. Catnap, il a toujours un bon plan derrière la tête. Il est très, 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 très intelligent, les gars. Ok, 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 là, c'est intéressant. Là forcément c'est intéressant les gars. Le catnap s'est libéré de cette très très mauvaise situation. Et là faut vite venir. Non, non, Dog Days il est foutu. Quoi? Dog Days lui il est courageux hein. Il tente le tout pour le tout. Il affronte le jumeau démoniaque de catnap. Non, mais il a aucune chance. Il est foutu. Oh, oh non, le pauvre, là c'est fini. Je crois que c'est finito pour le Dog Day. Faites quelque chose. Non, non. Oh non, oh non, non, oh, oh, non, là, je crois que c'est fini, toi d'avance, les gars, les Smiling Critters, c'est terminé, je crois qu'on est en train de vivre la fin des Smiling Critters, oh non, catnap, fais quelque chose. Je pense que là, dès à présent, il n'y a que le catnap qui peut maîtriser la situation. Oh non. Quoi, c'est horrible! Le Dog Days est attaché et ligoté. Et carrément, il est même suspendu à une corde. Et non! Mais tous les Smiling Critters sont attachés et ligotés. Il les menace de les jeter dans une bassine radioactive. C'est la mort certaine. Non, 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 non. Non! Il veut très clairement éradiquer les Smiling Critters. Non, non, c'est pas possible. Faites qu'il se passe quelque chose. Catnap, vite, vite. Oh! Catnap! L'arrivée du catnap! Attendez, rien n'est joué. Voilà, catnap, vas-y, affronte-le, empêche-le. Vas-y, baston général. Vas-y, catnap. Non, 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 non. Attendez. Oh là 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 là, le jumeau démoniaque du catnap, il est clairement inarrêtable. Oh là, comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que ça va se terminer cette histoire, les gars? Oh là là, oh là, oh. Oh, oh, catnap, il a réussi à trouver la télécommande, il a appuyé sur le bouton. Ok, c'est bon. Oh, voilà, tabassez-le, c'est tout ce qu'il mérite. Non. Catnap, quoi? Oh, catnap refuse qu'on s'en prenne à son frère jumeau démoniaque. Mais pourtant, il lui a fait du mal. Il lui a clairement fait du mal, mais le catnap lui pardonne. Il lui pardonne tout le mal qu'il a pu faire. Oh, ça se termine avec tellement beaucoup d'humilité. Incroyable. Ah ouais, donc maintenant on a bien compris qu'en tout cas le jumeau démoniaque de catnap, ça rigole pas les gars. Bah dès maintenant je pense que la meilleure des choses à faire là, c'est de faire survoler mon drone et d'essayer de retrouver le jumeau démoniaque du catnap. Allez, que les choses sérieuses commencent. Let's go. Eh bah ça y est, chose dite, chose faite. Le drone est en pleine activité les gars. Et je survole spécialement le McDonald's. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien figurez-vous que ce McDonald's là est réputé comme étant un lieu très très fréquenté par les entités démoniaques, surtout quand l'heure arrive à 3h du matin les gars. Je pense que c'est vraiment à cet endroit là où il est possible qu'on puisse apercevoir le jumeau démoniaque du catnap. Là en tout cas vous le voyez très très bien les gars, mais j'essaye littéralement de m'approcher le plus possible de ce McDonald's. Doucement. Oh, aïe. Voyons voir. Essayons véritablement de retrouver le jumeau démoniaque du catnap. Où es-tu?
Piti. Les gars, cette vidéo est véritablement stressante. En tout cas, je vous le dis, cette vidéo est très risquée. C'est très risqué. Catnap, Catnap, les gars, Catnap, il traverse la route, il va jusqu'à la terrasse du McDonald's. Ah, là, regardez, qui c'est qui suit le Catnap comme ça furtivement? C'est le jumeau démoniaque du Catnap, ça. Mais c'est le frère jumeau démoniaque de Catnap. Non, c'est réel. Le frère jumeau démoniaque du Catnap est réel. Là, il n'y a plus aucun doute. Maintenant, je pouvais encore avoir quelques doutes dans ma tête. Mais là, nous l'avons vraiment vu. Mais en plus, là, il est littéralement en train de poursuivre le Catnap. C'est fou. C'est complètement dingue ce qui se passe. Je vais continuer avec mon drone. Je vais rester concentré aux abords du McDonald's. Catnap, regardez. Il tente de s'échapper furtivement. Il a l'air très clairement de subir la présence de son jumeau démoniaque. Ah non, il est là. Non. Là, c'est sérieux, les gars. Comme nous le disait Dog Day au téléphone, le Catnap vit très clairement un enfer. C'est dingue, les gars. Il fait peur. Il fait hyper peur. Attendez, où est Catnap? Je pense qu'il tente de s'enfuir. Mais on remarque bien qu'il subit la présence de son jumeau démoniaque. Et franchement, ça doit être horrible. Ça doit être véritablement horrible. Tout mon soutien pour Catnap et force à toi. Eh ouais, quand t'es confronté à ton jumeau démoniaque, ça doit vraiment être difficile. C'est clairement l'une des plus pires situations que tu peux avoir. Attendez, mais les gars, je vais rester surtout aux abords du McDonald's. On va rester posté comme ça, les gars. Là. Mais je vous le disais, tout se passe aux abords du McDonald's. Mais il se passe des trucs trop bizarres dans ce McDo. Je sais pas, il est pas normal, ce McDonald's. Là. Oh, Catnap, attendez, il y a une confrontation. Yeah. Oh, le jumeau démoniaque envoie un coup de pied à Catnap. Catnap riposte. Quoi? Attendez, mais quoi? Ok, le Catnap se laisse pas faire. La réponse s'est pas faite attendre. Voilà. Bah franchement, il se défend, il se laisse pas faire, ça c'est une bonne chose. En vrai de vrai, les gars, forcément, quand t'es confronté à ton jumeau démoniaque, si tu te laisses faire, t'es déjà foutu. Mais les gars, on vient très clairement d'assister à une confrontation sévère entre le jumeau démoniaque du Catnap et Catnap en lui-même. La situation est très critique. Attendez, je pense qu'on va s'arrêter là avec le drone. Forcément, les gars, je me trouve aux abords du McDonald's et je pourrais probablement être confronté moi aussi à Catnap, ou encore pire, au jumeau démoniaque de Catnap. Si c'est ça, ça peut très vite mal tourner. Les gars, je vais pas rester là plus longtemps. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu mets tout de suite un gros pouce bleu. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube si c'est pas encore déjà fait, parce que là on est sur un gros coup. Et d'abord, pourquoi pas dans la prochaine vidéo essayer de confronter Huggy Wuggy face au jumeau démoniaque de Catnap. Là ça peut être très intéressant. Et avec le drone, vous savez bien que tout est possible. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.